Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bienvenue Yosef Srak. Bienvenue. On continue, tous. On approche de la fin du chapitre 8. Oui, l'annulation des idoles. Donc il nous dit la règle numéro 17. D'accord. Une idole dont les utilisateurs l'ont délaissée, 600 ans de paix, on a le droit d'en profiter puisqu'ils l'ont annulée. Mais 600 ans de guerre, elle reste interdite parce qu'ils l'ont délaissée qu'à cause de la guerre. Ah oui. Ils n'ont pas le temps, de s'en occuper. mais qu'ensuite, ils risquent de vouloir l'utiliser de nouveau. Dans la suite, il nous dit une idole qui s'est brisée d'elle-même. D'accord ? Oui. Les débris de l'idole sont interdits de profit tant qu'on ne l'a pas annulée. Alors il dit, il me semble que c'est précisément lorsque l'on sait qu'on sert les débris de cette idole. Par exemple, il y a ceux qui servent la main ou un membre d'un astre ou d'une étoile. Mais dans les autres idoles, qu'on n'a pas l'habitude de servir que simplement des membres ou des débris, on ne sert que d'idole entière. Oui. D'accord ? Alors il est certain que quand elle s'est brisée, elle était complètement annulée. Alors il nous dit, et tout ça, c'est lorsqu'elle se trouve à sa place normale et qu'on sait qu'on ne l'a pas annulée, mais qu'elle s'est seulement brisée. Mais si elle n'est pas à sa place habituelle, mais elle est jetée n'importe où, là, ouais. il est évident qu'elle est annulée. Ah bah oui. Oui. Mais si un homme a brisé l'idole, il est entre parenthèses même un juif, elle est déjà annulée et on a le droit d'en profiter. Donc là, on parlait de lorsqu'elle s'est brisée toute seule. Oui, à ce moment-là, il faut voir dans quelles conditions, si elle se trouve à sa place ou pas. Ouais, si on a l'habitude d'utiliser des membres ou si c'est en entier. Mais d'accord. Si quelqu'un l'a brisé, elle est annulée. Il n'y a aucun problème, elle est complètement annulée. Et maintenant, il nous dit, pour terminer la règle, si cette idole, elle est en pièces détachées, en morceaux, ouais, et que n'importe qui peut les récupérer et les recoller, à ce moment-là, il faut annuler chaque membre. Séparé. Ah ouais. Séparé. Oui, les khatrila. Ah oui, les khatrila. Donc, a priori. C'est pas les remonter, annuler l'entièreté. Normalement, oui. On parle de morceaux oui, complets. Oui. C'est pas des débris, des morceaux de membres. C'est des membres entiers qui se sont détachés les uns des autres. Ouais. À ce moment-là, à chaque fois, il faudra annuler chaque partie lorsqu'il remontera. Et si il a annulé même un seul morceau, elle sera annulée. Ah, quand même. C'est un ensemble quand même. Ça fait partie de l'ensemble. Voilà. Mais si il ne peut pas recoller tous les morceaux, d'accord, lorsqu'il a à ce moment-là annulé un seul membre, ça annule tous les débris, tous les morceaux. D'accord. Baruch HaShem. On a de quoi faire pour se débarrasser de tout ça dans le monde en un instant. Amen. Amen.